Nous bifurquons sur la droite pour découvrir les deux barrages, les infirmiers. Voilà ce que ça donne. Barrage Zola. Ouais, puis là, on arrive dans le creux. Bon, si vous suivez la petite rivière, bah, vous allez arriver tout en bas d'ici. Évidemment, c'est pas bon. Ah tiens, il y a des marches ici. Je sais pas si vous les voyez. Bon, va falloir grimper. Ah, bah, on était là-bas tout à l'heure. Alors là, on est arrivé sur une grande aire de parking. Je vous disais aussi, c'était bien bruyant. Alors en fait, c'est très touristique. Il y a au moins une centaine de voitures. Là, on est au belvédère de la voûte.
Hein, c'est tous des petits chemins comme cela. Ouais, là, c'est uniquement de la descente. Là, vu que je redescends vers Puy-Loubier, ça doit être sur la gauche, j'ai changé la trace. Alors, on va attaquer cette randonnée vers le pic des Mouches, sentier vert, dans le sens de la montée. Et en fait, on a pu me déposer un petit peu avant. Donc, ça va m'économiser. Alors on vient de tout en bas, là on bifurque sur la droite, parce que sur la gauche, c'est le, en montant, il y a le chemin bleu. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais là, ça gratte. Ouais, donc il faut faire attention, donc on vient là-bas, là il y a une petite, faire une petite glissade, ouais, il n'y a pas trop de danger non plus, enfin, s'il ne pleut pas, voilà le chemin, on a contourné, ici ça monte, alors juste sur la gauche il y a un chemin aussi en bifurcation, mais c'est un peu plus long, là on voit bien la trace verte, ah et puis on la voit aussi, le... Alors vous voyez, ah oui c'est vrai qu'en descente ça fait plus peur, ça a l'air de faire plus peur qu'en montée. Je ne sais pas où c'est. Alors soit c'est là-bas tout droit. On sait rien, on voit pas de marque. C'est là-bas mais je vois pas de marque non plus. Bon, ça me semble un peu délicat là, donc on va tenter d'abord là. La vue commence à être un peu plus ouverte à côté Sainte-Victoire. Je crois que la randonnée passe en dessous. Ouais, là, on voit rien. Ah, le bâtiment est un peu plus loin. Il faut bien traverser une partie de la voie ferrée sur une centaine de mètres. Et puis là-bas, on a un peu de...
est au canal et de Marseille. Bon, il y a une petite voie ici, mais bon, ça présente pas beaucoup d'intérêt. Donc, de toute façon, c'est pas le chemin de la randonnée. Une belle petite. Ah, puis ça continue là-bas. Donc là, c'est très joli. Thank you.
c'est parti pour cette petite randonnée à Saint-Antonin-sur-Bayon. Le tour de l'Oppidum, 6 km 500 je crois, avec 350 mètres de dénivelé. Ouais, ça se dégage tout doucement. Enfin, nous, là, on va derrière. Alors, il y a quand même quelques grandes marches, enfin, les marches, façon de parler. En plus, quand c'est boueux, ça devient tout de suite beaucoup moins facile. Alors, des marches genre 50 cm. Alors là, on est au refuge Cézanne. Ouais, il est quand même encore dans un état acceptable. Et là, sur la droite, il y a des escaliers. Je ne sais pas si c'est par là que je descends. Et là, c'est la belle vue. On y arrive. C'est la partie la plus dure, c'était la première partie, la première moitié.
Ah, là, on est légèrement sur la droite, dans la petite boucle. Et puis, ouais, c'est vrai qu'on voit bien le trou. Hein. Allez, go, 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 go. C'est reparti pour gravir la Sainte-Victoire depuis Beaurecueil. Voici ce qu'on voit. Donc j'ai pris le bus comme d'habitude. Ah, c'est très joli. Hein. Donc 12,1 km. 671 mètres de dénivelé. Voilà. C'est super beau. Hein. Et puis on a les reflets. Vidéo, vous les faites en long, en large et en travers. Hop, on va passer ici pour voir que c'est la retenue. Ouais, ça fait un peu peur. Ah ouais, il sort. Mon avis, les vannes elles sont ouvertes. Ça va grimper. Ouais. Il y a un petit. Donc on va continuer sur la gauche. Et puis c'est Eric là-bas, on a de la croix. Hein. Deuxième centon. Mmh.
Allez hop. Ouais, j'allais dire que je l'ai déjà fait ça, il y a deux jours. Alors là, on est au pas de l'escalette. Et en fait, on vient de tout en haut là-bas. Juste derrière. Je peux vous dire que ça glisse. Et c'est une sacrée descente. Et c'est pas fini. C'est encore ça. C'est quand même super joli. Hop. Ça m'en casse figure ici. Ah, il est très proche, hein. Purée. Hop, alors là, on a dépassé le point 5 de la randonnée. Ouais, c'était les gros plans que je faisais en tout début de randonnée. Enfin, début plutôt milieu, quoi. Ouais, c'est très joli. Les choses sérieuses vont bientôt commencer. C'est très 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 joli. Je regarde pas de pas changer ma randonnée. Attendez, il y a des belles petites fleurs. Ah, mais il y en a partout. Alors, au niveau du terrain, ouais, c'est des strates inclinées. Rien qui est mis. J'aurais tendance à dire qu'on était tout en bas tout à l'heure. Hein. Si je ne m'abuse. Alors bon, je ne sais rien. Mon avis derrière le mont là. À avoir une belle petite vue dégagée. Un petit peu tout au bout. Oui, c'est vrai, il y a effectivement, c'était indiqué dans la randonnée,
un petit passage un peu scabreux. Juste derrière la baie, et ce soir il y a une représentation.